Bonjour, bonsoir. Merci à tout haïtien qui prend un petit temps pour faire plonger ensemble avec nous dans l'histoire du pays d'Haïti. Dirigeants, professeurs, étudiants, parents, quel que soit le monde dans la société, qui va vivre en Haïti ou l'autre bord de l'eau, l'histoire d'Haïti concerne nous. Aujourd'hui, nous allons parler de un ancien président qui est Antoine Léocardi Louis. Élie Lescot. Élie Lescot fête Saint-Louis du Nord 9 décembre 1883 dans le département Nord-Ouest. Il était fait d'une famille de classe moyenne, monde de couleur, en famille aisée. Il entre au cap haïtien pour faire études classiques. Il fait études secondaires au lycée national Philippe Guerrier. Après, il passe dans le droit, il descend pour Port-au-Prince. Pour aller étudier médecine, quand il sorti avec un diplôme pharmacien. Il retourne au Nord-Ouest, quand il est directeur de l'école secondaire de Port-de-Paix. Il était juge d'instruction tout et il était responsable import-export. Après l'an, mon madame, en 1911, deux ans plus tard, il est engagé dans la politique. Il descend de Port-au-Prince en tant que député à la Chambre. Il n'y a pas de faire un peu de temps. Il était venu en France, il passait 4 ans pendant la période d'occupation américaine. Il est retourné sous le gouvernement Lubourneau pour être le secrétaire d'État de l'enseignement, du travail et de l'agriculture. C'est janvier 1930 à avril 1930. Il était venu secrétaire d'État de l'intérieur et de la justice. Sous président Louis Borno, sous président Stenio Vincent, dans la période mai 1932 à septembre 1933. Livin Perdi, secrétaire d'État de la justice là, il était venu remplacé par Joseph Titus et il était conservé secrétaire d'État de l'intérieur là, de septembre 1933 à mai 1934. C'est belle carrière! Il devient consul général à Cuba. Et bien, 4 ans plus tard, après, il devient secrétaire d'État de l'Intérieur. Et Stenio Vincent, il devient nommé ambassadeur d'Haïti en République Dominicaine. Quand il a noué des relations avec Leonidas Trujillo, qui est un dictateur à l'époque, nous connaissons l'histoire qui a assassiné un paquet haïtien en 1937. Mais malgré tout, ça n'a pas dit là, il a noué des relations très étroites avec ça, tant que ses deux frères, si à moi, tellement été à l'aise. Lescot est venu passer quelques séjours à Washington, côté que il était nommé ambassadeur, tout ambassadeur d'Haïti à Washington. Il était après nouer toutes des relations avec le farouche président Franklin Delano Roosevelt à l'époque. Et bien, ces deux mondes qui étaient canalisés, l'État pour prendre pouvoir en 1941. Lescot prend pouvoir. Comment? Tu as 58 votes législateurs, il était fait 36, il était battu député Max Oudicourt. Côté c'était corruption. Mais c'est à cause il était gagné président dominicain qui t'a financé ensemble avec et Roosevelt. Et on est depuis les États-Unis, donc nous on est en réalité déjà depuis les États-Unis, donc on est comment pouvoir. Eh bien, Lescot prend pouvoir dans le pays d'Haïti. Lescot prend pouvoir, Lescot c'est pas un monde qui était trop gain bon relation ensemble avec noir. C'était monde de couleur, il était plus privilégié. Quel objectif Lescot te gagne? Lescot te gagne seul objectif, il te voulait Haïti paraître en grand dans le monde. C'est pas grand économiquement bah, mais tant que son pays qui toujours là dans question de guerre accompagné les grands pays qui a fait guerre. Eh bien, qui ça Lescot fait? Il y a tellement de monde qui a supporté les États-Unis. Lescot monte pour mes affaires. Non, à l'époque, les Japonais ont attaqué pile à bois américain. Et bien, Lescot a dit ça, Lescot fâché, il est vexé. Et bien, Lescot déclaré la guerre au pays de l'Axe, qui c'est Allemagne, Italie, Japon, avant même que les États-Unis aient déclaré la guerre. Déclaré la guerre. Il était même prêt à offrir 1 million de dollars aux États-Unis d'Amérique. Qui ont été dans des pensions pour le faire pour la guerre. Lescot
pas te ba noir gros fonction. C'était ti fonction noir t'a coupé sous gouvernement l'escoua. C'était mulat tout te gagne. Et qui ça le fait encore? C'est que c'est des petits allemands qui t'a vivre bien dans pays là. Li prend yo, li arrête yo. Donc c'est grain sable et li prend bien yo, li vend à zami mulat à des prix symboliques. Eh bien, à l'époque, ça toujours, t'es gagné une série de juifs, t'es gagné contre camp de concentration et tout et en Allemagne, tout les Hitler a mangé moun, a assassiné moun. Eh bien, les côtés préputés qui t'ont accueilli un paquet de juifs en Haïti. Eh bien, ça qui pas te fait plaisir, François Duvalier, Daniel Fignolet, n'est-ce pas, parce que t'es nég noiriste à l'époque, ça pas te faire plaisir, mais Lesko te fait ça parce que Lesko monte qui ça le fait, il était nommé tête les chefs de la garde présidentielle, chef l'armée d'Haïti et chef tout ça qu'a fait et police et de Port-au-Prince tout. Ça veut dire que n'importe ce que ça l'a fait qu'on voulait ou pas voulait, l'a fait. Eh bien, il était autorisé 129 juifs entrer dans le pays. Il était prêté par aux nationalités haïtiennes et c'est de l'autre nation encore par exemple syrien ou t'es l'autre Mounti, même Mounsa, ou reste de Mounsa, ou toujours, il y a un grand peu de reste dans l'eau qui toujours dans le pays. Ils ont entré. Parce que Mounsa, ou t'es grand peu de l'eau qui était riche tout dans le Jufio, et fait pas ici, ou ça t'a aussi une délivrance par rapport à l'économie pays à l'époque. Toutes les SAO, l'ESCO, a supporté les États-Unis. États-Unis qui était planté, on plantait les crypto déjà. Qui libère un pile latex pour te faire caoutchouc dans le pays Indonésie, et bien ils ont recevoir blocus de l'Axe. Pays de l'Axe, c'est le blocus, il n'y a pas de cas à le faire. Et bien, les côtés dit territoire à disposition américain pour n'importe ça, il y a besoin. Et bien, les regardez, vrai, États-Unis, ils viennent signer un accord, ça a le Chada, société haïtienne, américaine de développement agricole, pour que vous êtes capable de planter. Crypto déjà en Haïti qui va libérer la texte et puis usine tout peut tout faire caoutchouc. Eh bien, projet a demandé plus que 100 000 hectares de terre. Mais côté, l'escot a pas cédé, non à Katibonit, plus de 100 000 hectares de terre arabe de cédé Bachada. Ça te fait nous mal. En plus, le pays a perdu terre, a fouillé, a coupé. Mais c'est ça, président, te voulait. Eh bien, après que l'ESCO fait ça, certes, Chada a un pile emploi. Mais il n'a pas passé chez l'ESCO, c'est celle-là. Il n'a pas passé comme ça. Et bien, ça qui devait arriver, l'ESCO, ouais, bagaille là, a pas dégénéré parce que tu es venu avec une sécheresse. Rendement que tu as de jeune, il n'a pas de jeune lit. L'ESCO est à prendre un école parce que après il y a un chômage. Parce que si on compare à l'étranger dans un pays et qu'il n'y a pas de rendement de besoin, il n'a pas obligé de quitter le pays. Les coureurs, ils pensaient qu'ils n'avaient pas vu dans la faillite. Ils ont appris à l'école pour plaider auprès de Franklin Delano Roosevelt. Et tu as gagné tout après la guerre. Les coureurs allemands ont parti parce qu'ils ont des boussots dans la guerre. Ou ont fait profit. C'est-à-dire que l'allemand ont parlé et les États-Unis étaient fâchés. Par contre, les coureurs ont fait boucher dans la question de conditions de vie sort haïtien qui est en République Dominicaine. Eh bien, tout ils ont fâché à son tour. Tout le monde a vint contre l'ESCO. Et tout le monde a même dit que l'a dénoncé l'ESCO dans la même lettre. L'ESCO a voué balle pour te aider le pouvoir, pour te renverser Stenio Vincent. Et tout le monde a même dit que gagné haïtien dans massacre là. Parce que n'importe ça qu'a fait la République Dominicaine, pas parce que son bail qui step, gagné des mains haïtiens qui trempent là dans tout. Je ne dis pas qui mais gagné des mains haïtiens. Je ne dis pas citer dans le monde. Ok. Eh bien, tout le monde a même publier des lettres, publier des informations qui étaient choquantes pour l'ESCO. Tu as Dominique qui est rentré, même en Haïti, tu es venu soulever le peuple. Et le peuple a fait grève parce que pas d'accord avec l'ESCO qui a dirigé le pays. Tu as étudiants, les noiristes. Mais l'ESCO, bah là, tu es chaud. Non, mais l'ESCO. Eh bien, pendant cette affaire-là, tu as une série de nègres, René Depeste, François Duvalier, Daniel Fillon, tu as mis des chauds. Eh bien, l'ESCO est ça. L'ESCO m'a dit pour l'AMIA, puis passer là, puis obéir. N'est-ce dit non, mais pas pour obéir. Avant, ça a été une série de petits soldats, grades inférieurs, qui t'a laissé lever, l'ESCO assassiné.
À l'époque, l'escot a essayé de mettre pied pour talonner la presse. Eh bien, dernier accident, bah, il a gâté dans l'escot catégoriquement. L'escot, ouais, c'est tout bon. La ville en danger, les rangés par quel acte tout reste mon lieu. Yo jambé dans le pays États-Unis, Miami. C'était Frank Lavo, un jeune militaire dirigé par Frank Lavo qui était prend pouvoir, il était gagné pour le jeune Magloire tout. Il a assuré intérimat et il fait élection pour bailler pouvoir à Léon du Marseille estimé. Eh bien, les scouts tes jambé, tes sorti États-Unis, tes jambé Québec, dans le pays Canada, il connaît passé quelques jours. Il était passé quelques temps, quelques années. Eh bien, en 1950, les pauvres jeunes Magloire prennent pouvoir. L'ESCO retourne dans le pays. Il était invité à l'ESCO pour te retourner dans le pays. Eh bien, l'ESCO vient au salier l'an grand devant le palais national. L'ESCO salier l'ESCO te vient à vivre en paix dans le pays. Jusqu'à ce que tu viennes bien la prise du valériste. En 60, l'ESCO incarcéré. Il a arrêté l'ESCO. L'ESCO passe 10 ans en incarcération. L'ESCO vient laguer après la mort de François Duvalier en 1971. Eh bien, l'ESCO a été vivre paisiblement dans le pays. À côté de l'État, après le mourir, la boule, c'est une zone de Port-au-Prince. L'État, après le mourir, en résidence surveillée, le 20 octobre 1974. Le monde qui était précédé, c'était Stenio Vincent. Le monde qui succédait, c'était Franck Lavo. Et l'ESCO, c'était le 29e président dans l'histoire du pays d'Haïti. Donc, il mourit à 90 ans. Donc, messieurs, dames, c'est comme ça que nous mettons fin dans un petit morceau de l'histoire dans le pays d'Haïti. Un petit morceau de l'histoire du pays d'Haïti. Donc, je pense que ça concerne vous. Et si vous n'êtes pas intéressé, partagez la vidéo à votre frère haïtien. Parce que l'histoire, c'est ça qui fait l'identité. Quel que soit côté où il vit. Si vous ne connaissez pas l'histoire, si vous ne connaissez pas la constitution du pays, c'est un coup ou pas ressortissant. Donc merci, partagez ce que vous faites, à l'abonner à la chaîne pour l'autre gouvernement, on va expliquer. Merci.